font les Palois. Jouer simple, jouer simple. C'est quelle frappe ! Quelle frappe du capitaine Paul Maisonneuve ! Non, ce sera Adam Daoui, me semble-t-il. La frappe ! La détente de Koné. Et attention, Abdallah qui a pris le dessus cette fois-ci. Abdallah qui est rentré. Le super barré de Simon Pondemé. Pour de ceux qui sont devenus champions du monde cet été. Oh, la belle frappe. Oh, la claquette. La claquette de Simon Pondemé sur cette tentative incroyable et lumineuse de Victor Lebrun. C'est récupéré par Pierre Ruffo. Peut-être là, la frappe de Pierre Ruffo qui est dans les 6 mètres. C'est contré. Et le non. Côté gauche. Dorian Kadi face à Zedatka, il a retrouvé derrière Richo Grandi, c'est la frappe et le but. Ah oui, belle frappe. C'est la frappe et le but. Magnifique. Le but de Florian David qui vient ouvrir le score pour Rodez ici, 1-0. Ah, il a un petit peu déchauffouré là, entre Melo et Témar, on se pousse très 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 intelligemment comme M. Paradis calme tout le monde. Ah. Carton rouge, je me suis un petit peu avancé, bon, voilà. Les deux protagonistes alors. Et c'était même pas lui, c'est. C'était ça. Le numéro 19. Voilà. Ouais, ça partait de. Ouais. Et le ballon, nouvelle fois perdu. Et récupéré par les Boulonnais. Attention avec Konaté. Konaté qui rentre dans la surface, qui frappe, le ballon qui frappe. La base du montant gauche de Théo Guivarch et de Lyon. Attention avec ce ballon, et la tête. Oh, la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score ici à Boulogne-sur-Mer. Et l'ouverture du score de la part de Mdaouma. Le maillot a même été tiré par Junior Senneville. Même si l'arbitre n'a rien dit. Et là, il siffle une faute justement d'Oussama Abdeljelil. C'est le deuxième jaune, donc ça sera un carton rouge. Et les Choletais vont terminer à 10. Il faut aérer le jeu sur les côtés parce que là, il y a embouteillage dans l'axe. Bénédine, bon centre. Et le poteau trouvé par Lucas Dory. Quelle occasion. Ils sont 3-4 à plonger dans la surface. Centre vers Chamal, remise pour Dory. Pied gauche. Cette fois, c'est bon. C'est encore venu du côté gauche. L'ouverture du score de Quevilly-Rouen Métropole. Attention, Rivas qui va se présenter. Ouais, Rivas Marouani qui va se retourner en position de frappe. Ouh là 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 là. Rivas Marouani. Allez, Da Costa qui va tenter. Premier poteau. Et le but. Et le but et l'égalisation, Dimitri. Avec, c'est Jimmy Nirlo qui a décalé, hein, je crois, son coéquipier sur la droite. Et Lyonnais qui est en très bon coup à jouer. Est-ce qu'il y a un hors-jeu ou pas de Jérémy Rivas qui va peut-être se présenter seul face au cage. Jérémy Rivas. Oh là 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 là. Le numéro de Jérémy Rivas Marouani. C'est là, Jackie Tequila gêne un petit peu. C'est là qui met le ballon peut-être là, le but. Oh Spano qui était absolument seul, le deuxième poteau, et qui va piquer sa tête pour égaliser Dimitri. Il saute même pas là tout à. Cette fois il est trouvé, ballon au sol qui va lancer Julien. Et le but de Lyon, la Duchère, Dimitri. Et ben quel match. Oh là 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 là, dans la foulée de l'égalisation, les Duchérois qui viennent jeter une nouvelle fois un froid. Incroyable, Dimitri. Descente de formation. Oh, attention là avec Silla qui va trouver Guillaume Cousse sur le côté. Guillaume Cousse qui va peut-être rentrer à la surface d'avoir de Guillaume Cousse. Elle est belle, la parade exceptionnelle de Bouet. Même si pour l'instant on le disait tout à l'heure, hein, c'est plutôt Drancy qui se. Oh, attention le tac. Oh là, l'intervention de Mounir Obadi. Ousmane Samba qui reste au sol. Tout le monde s'est levé du côté du banc de. Et ça sera un carton rouge. Le carton rouge pour Mounir Obadi. Mounir Obadi qui va laisser ses partenaires à 10 pour les dernières minutes. Magnifique la petite roulette. On le voit aussi ça en national. Grâce aux jeunes joueurs lavallois. Oh, attention ce ballon pour Gabriel Etinoff. On l'a sorti de lui, mais le pénalty. Le pénalty, et oui.
Antoine Grard qui a placé tout le monde en dehors de la surface. Le duel, Danick, Lumé, et ça fait 1-0. Le but pour le Stade Lavallois qui va sûrement remporter la victoire ce soir à Drancy. Julien Farnab, Farnab qui est entré dans la surface de réparation, Farnab qui va centrer en retrait, la frappe ou la barre transversale, quelle occasion pour Avranches, ça va revenir et c'est dégagé avec Jas vers Lem, la frappe de Rémi Sergio, oh, ça passe juste à côté. De Soro, Stéphane Vincent, il va éviter le tacle de Maxime Toup par l'intervalle, Boissier face à Passion, le duel numéro 3 est remporté par Rémi Boissier, deuxième but de la saison. Mais dans sa carrière, c'est un joueur qui a toujours été décisif. Et ses problèmes d'axe, soulignés plus tôt dans la partie, se révèlent désormais. 2 minutes 30 après la reprise du jeu, la défense concarloise encore percée dans l'axe. Young aussi pour avoir un petit peu plus d'espace pour Maxime Fleury et piquer le ballon par-dessus la défense. Young servi dans la surface de réparation, le ballon piqué qui va finir dedans. Deuxième but depuis le début de saison pour Andrew Young. Et celui-ci aussi va compter comme contre Dunkerque. Comme contre Dunkerque, qui va permettre aux Concarnois d'être sur de bons rails et nous animer les 20 dernières minutes.